Ok, on continue avec notre sujet des interruptions pendant Psouké des Imra et on va voir les autres cas de figure. On a vu les cas de figure d'une parole vaine pendant la tfila. On a vu le cas de figure d'une bracha, si quelqu'un fait une bracha pendant que je suis pendant Psouké des Imra. On a vu le cas de figure du kadish, maintenant on va voir les autres cas. Ajemak doucha. On sait aussi qu'il y a la doucha qui est tout aussi importante et que a priori on répond systématiquement quand on entend une doucha. Qu'est-ce que l'imsa Psouké des Imra? Donc je suis dans plein Psouké des Imra, j'entends la doucha, obemsa kriat shema. Et je suis pareillement, si je suis en plein milieu du schéma Israël ou de ses brachot, le Yotzer, Veyativ, lo yafsik lomar kol nosar akedusha nakdishar venaritsar. Je ne peux pas répondre à tout. Toute la kdusha, je ne peux pas la répondre. Donc je ne dirai pas nakdishar venaritsar, kenoamsiar, sur sa fait kodesh, etc. Ça, je ne le réponds pas. Et là, yishtok, je me tais. Veyane rak psuke, je répondrai uniquement à kadosh, kadosh, kadosh. Et Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Bilvad, seulement. Veav Pasuk Imlor, Lo Yane Bemsakriat Shemo Virotera, Val Bepsuke Desimra, Rachai Laanot Av Pasuk Imlor. Donc là, on a fait quoi? On a dit que dans Shema Israël, c'est Brachot, Psuke Desimra, je ne peux pas répondre Nagdishar, je peux répondre que deux Psukim qui sont Kadosh Kadosh ou Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Par contre, ça c'est vrai uniquement dans le Shema Israël et ses Brachot. Dans Psouké des Imra, je réponds à ces deux brachot là, à ces deux phrases là, et je réponds la dernière phrase également, Imlor Hashem, Imlor Adonai Leolam, Elka Ertzim Ledavador, Aleluka, excusez-moi, je l'ai dit avec le nom d'Hashem, mais c'est pas grave. Là, on est plus cool dans Psouké des Imra que dans le schéma et ses brachot, que le schéma et ses brachot, je ne réponds qu'à deux phrases, tandis que la Psouké des Imra, je peux répondre à la troisième phrase. C'est la même chose que je sois au milieu d'un Tehilim de Psouké des Imra ou au milieu d'un passage du schéma ou que si je suis entre deux chapitres. D'habitude, c'est un peu plus cool entre deux chapitres, mais comme on est déjà cool au milieu, alors forcément, entre les chapitres, on est tout aussi cool. Pareil, si j'entends la kdusha du Moussaf, et moi je suis vraiment en retard parce que je suis dans Psouké des Imra, obem sakriat shema ufirotera, et pareillement je suis soit dans le schéma, soit dans ses brachot, le yafsik le markol nosar kdushat keter itenulecha, je ne réponds pas à toute la phrase de keter itenulecha, et là il y a un irak psouké kadosh ou baruch bilvad, même à l'acha, je réponds que kadosh kadosh, baruch kevod hashem mekomo, si je suis dans schéma et ma brachot, et si je suis dans Psouké des Imra, je réponds à ces deux phrases plus imlor hashem. Donc je peux rajouter la dernière phrase. Umikol makom keshenimsra benish tabar le yotzer. Par contre, et c'est là qu'on va avoir une nuance. Si je suis, j'ai parlé de bloc et jusqu'à maintenant je fais exprès de parler de bloc pour ces moments-là. J'ai fait mon bloc barur shamar ishtabar, donc j'ai fait tout psuké des imra. Maintenant j'attends le chazan. Donc je suis à la fin du bloc des psuké des imra. J'ai pas commencé le nouveau bloc qui s'appelle yotzer. Je suis donc entre deux blocs. Là je suis pas dans une notion de briser un bloc, puisqu'il n'y a rien ici. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai le droit de parler, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai le droit de répondre tout et n'importe quoi, mais c'est plus cool. Du coup, si je suis au milieu de ce bloc et que j'entends la gdusha, je réponds nagdishar, venar, aritzar, kenoam, sias, je réponds toute ma gdusha. Toute ma gdusha. Il n'y a plus aucun problème. Pareillement pour kadish, je pourrais répondre intégralement au kadish. Il n'y a plus de problème. Tandis que dans un bloc, je ne peux pas casser un bloc. Ok? Rachel, le Markol Nosaret Dusha Venagdja Venaritsar, je pourrais répondre à toute la Kdusha. Elle est un autre Baruchu Baruchemo, Keshenimsa Bepsuke, Bemsa Psuke des Imra. Au milieu de Psuke des Imra, je ne réponds pas Baruchu Baruchemo. Vafilu Keshenimsa Bena Mizmorim, même entre deux Mizmorim, entre Ashri Aleluka, je ne répondrai pas Baruchu Baruchemo. Ven Seir Lomash, sur la note Baruchu Baruchemo, Keshenimsa Bemsa Kriachemo, Virotea, Vafilu Beven Aprakim. Et évidemment qu'il n'y aura pas lieu de préciser que pour le schéma et ses brachot, ou qu'on soit dans le schéma et dans les brachot, au milieu de deux chapitres, entre deux chapitres, je n'aurai pas le droit de répondre parce que ça, c'est encore plus strict que Psouké des Imra. Donc, si j'ai pas le droit de répondre à Baruch ou Baruch Shemo pendant aucun moment de Psouké des Imra, à aucun moment dans le schéma, j'aurai le droit de le faire. Oulam, Moutar l'anot Baruch ou Baruch Shemo keshinimsa ben ishtabar le yotzer. Par contre, entre ishtabar et le yotzer, entre la fin du bloc de Psouké des Imra et le début du bloc du Yotzer, il y a un creux, on est entre les deux, je peux répondre Baruchu, Baruch Shemo. Et évidemment, je ne pourrais pas le faire entre le bloc Yotzer et Amida. Le Yotzer se termine juste avant l'Amida, et après on commence le bloc Amida. Seulement, il y a une halakha qui demande de juxtaposer les deux blocs, on y viendra quand on sera dans les halakhot de la Tfila.
qui demande de les juxtaposer sans interruption, ce qui fait qu'on est bloqué, on n'a plus le droit de répondre à Baruch Hu, Baruch Shemo. C'est parce qu'il faut juxtaposer la Geoula, la délivrance, avec la Tfila. Animsa beimtsa psuke de zimra, obeimsa kriat shema fichotea. Donc celui qui se trouve au milieu de shema, de ses brachot ou de psuke de zimra, veshama shatibur omrim yud gimel midot arachamim, shebe pasuk vayaravor. On entend le fameux atachanun vayaravor hachem alpana vaikra. Et on doit répondre amonai, amonai, kel rachum. Ok? Lo yasuk la note yud gimel midot imatibur. Je ne réponds pas. Les gens, souvent, ils se baissent, ils se prosternent, ils répondent, on ne se bouge pas, on finit cette fila, on continue. On est dans un bloc, on ne casse pas le bloc. Dans le Yotzer, à un moment, on fait Kadosh, 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 c'est une doucha. Pareil dans Uval et Tzion, on dit aussi Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et c'est une doucha, mais qui n'a pas la même importance que la doucha de la Hamida. On voit bien qu'on peut dire ces phrases sans minyan, tandis que la kdusha de la Hamida, on ne peut pas la dire sans minyan. Donc on n'est pas dans la même importance. Donc si je les entends, j'entends ces moments où le tibour est en train de dire une kdusha, celle du Yotzer ou celle de Uval Etzion, je suis en plein psuké des imra, en plein schéma, en plein tfilot, brachot du schéma, lo yafsik, je ne m'interromps pas pour répondre avec eux. Animsa beimsa psuké des imra, en lo laanot imatibo modim de rabanan. Kulo. Il faut le préciser, le mot il a toute son importance. J'entends dans la Chazara, je suis dans Psuke des Imra, j'entends que le Tzibour est en avance et le Rachazan dit Modim. Nous, on répond le Modim des Rabanan. Est-ce qu'on répondra à ce Modim? Est-ce qu'on aura le droit de le dire? Non, seulement, on peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas le dire, c'est qu'on ne peut pas le dire intégralement. On dira seulement, et là, Yishakré, Veyarane Shlosh Tevot, Modim Anachnular, Velo Yoter. Donc, il dira seulement les trois premiers mots, il dira Modim Anachnular. Là, on s'interrompt dans Psuke des Imra pour dire ces trois premiers mots. Et on s'arrête là. Donc, et la suite, on le dira dans notre tête. On la prononce pas, on dit modim anachnular. On continue à voix, enfin même pas à voix basse. Dans notre tête, on y pense. Encore une fois, vous voyez, cette notion des deux blocs, elle est très importante. Si je termine le bloc de Baruch, de Psuke des Imra et que je n'ai pas encore commencé le bloc du Yotzer, j'entends à ce moment-là « Modim des Rabbanan », je réponds intégralement à ce Modim puisque je suis dans un espace neutre. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.